Bienvenue pour un nouveau numéro de Faites le papier, direction l'hippodrome de Deauville pour le handicap de la Manche. 16 tailleurs âgés de 3 ans et plus vont en découdre sur la distance de 3200 mètres. On commence tout de suite avec celle qui sera ma favorite, le numéro 9, Quintana Blue. Quasi irréprochable, cette pensionnaire d'Edouard Montfort ne compte que très peu de fausses notes à son palmarès. Elle vient notamment de se classer deuxième de la course référence du 20 juillet à Vichy alors qu'elle était rallongée de 400 mètres. En forme et bien engagée, elle peut poursuivre sur sa lancée. Baden Rocks vient de se classer 6e pour son retour dans les grands handicaps. Compétitif en valeur 36, il devrait être en mesure de batailler pour la victoire avec désormais deux parcours dans les jambes. My Charming Prince a déjà été rallongé avec bonheur et devrait se plaire sur cette distance. Lauréat d'un événement le 8 mai à Lyon-Paris, Yubu Titi vient de montrer lors de sa rentrée qu'il demeurait compétitif. Associé à Monsieur Quintet, c'est une possibilité. Confirmée dans les gros handicaps, la Templière s'est montrée un brin décevante en dernier lieu à Deauville où elle effectuait une rentrée. À l'issue d'un bon parcours, elle peut se racheter. Sur la montante, Saint-Géran peut faire mouche d'emblée pour sa première participation à un Quintet Plus. Vous pouvez revoir mon ticket combiné en 6 chevaux pour un montant total de 12 euros. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter nos articles sur le site equidia.fr.